Le 4 décembre 1921, à 18h27, heure d'Europe centrale, toutes les stations radio du monde reçurent un étrange message. Anta, Odeli, Uta. Anta, Odeli, Uta. La station radio de Moscou était provisoirement dirigée par l'ingénieur Loss. Transmettez immédiatement au service du chiffre. Au centre d'évacuation de la gare de Koursk. Une des employées de ce centre était Natacha, la femme de l'ingénieur Loss. Le soldat de l'armée rouge Goussiev, évacué du front, venait en convalescence. Personne n'avait réussi à décrypter le mystérieux message. Et si c'était Mars qui l'envoyait à nos inventeurs? Le plus proche collaborateur de l'ingénieur Loss était l'ingénieur Spiridonov. Qui sait? Ce sont peut-être nos travaux qui inquiètent les Martiens. Viens ici, jeune marié, c'est encore ta femme qui t'appelle. Aujourd'hui, je suis libre plus tôt, viens me retrouver. Anta, Odeli. Loss consacrait toute son intelligence et son énergie à un projet insolite, aller sur Mars, et souvent son imagination lui suggérait des scènes. Aelita, la régente. Ikoshka, sa servante préférée. Touskoub, le gouverneur. Gore, le gardien de l'énergie de la planète. Avait construit un appareil grâce auquel on pouvait observer la vie sur les autres planètes. C'est une grande découverte, mais elle doit demeurer secrète.
Montre-moi les autres mondes. Personne n'en saura rien. Soit. Viens ce soir à la tour de l'énergie rayonnante. Le soir. Toi seul, je montrerai la vie sur la planète voisine. Il est temps de rentrer. Tout scoop pourrait nous surprendre. Pose tes lèvres sur les miennes comme les humains, là-bas sur la terre. Spiridonov passait toutes ses soirées chez son ami, travaillant à l'invention d'un appareil capable d'aller sur Mars. Ce qu'il faut, c'est trouver une source d'énergie suffisante pour échapper à l'attraction terrestre. Dès le premier soir, Goussiev était devenu le favori de l'hôpital. La garde-malade Masha. Tu peux bien m'aimer ou pas, sans le sou et le soldat. En 1921, les chemins de fer ne manquaient pas de voyageurs. Camarade Ehrlich et sa femme Elena. Thank you.
Nous ne fournissons pas de logement. Adressez-vous au service des femmes. Allez-vous-en, quelle toupet! Victor, j'ai l'adresse d'un ancien ami. Tentons notre chance. Ce jour-là, au centre d'évacuation, on distribuait des vivres. Je ne t'en veux pas pour le passé, Elena. Dis-lui que je suis ton frère. Blanc. Qui est cet individu qui t'écrit ? Vous êtes si charmante que je ne puis croire que vous soyez envers moi si cruelle. Tu es jaloux, on dirait. Les provisions apportées par Elrich avaient permis d'organiser un festin, chose devenue rare à Moscou, et de se rappeler le bon vieux temps. Diable, ce vin, c'est de la piquette. Ah, dans le temps. Dans le temps, les relations humaines étaient pleines de raffinement, de délicatesse.
Oui, dans le temps, l'ordre régnait. Les jours passaient. L'os poursuivait obstinément ses expériences. Après chaque expérience ratée, l'os continuait néanmoins à rêver. Désolée, je suis présidente du comité des locataires et je ne fais que mon devoir. Vous allez devoir quitter votre laboratoire pour laisser place à un nouveau locataire. Mais nous nous connaissons, vous vous souvenez? Je te présente le camarade Ehrlich, notre nouveau locataire. Au centre d'évacuation, on préparait activement un spectacle. Viens par ici, c'est fou ce qu'on s'amuse. Elena exécutait avec succès les instructions de son mari. Le jour
du spectacle, Natacha avait reçu des vivres pour le club. Erlich se sentait parfaitement à l'aise dans le rôle d'un travailleur soviétique. J'ai apporté du sucre. Il faut le cacher, vite. T'avais bien dit qu'on le plumerait, ce pigeon. Les réfugiés du centre d'évacuation avaient décidé de faire mieux que les acteurs des grands théâtres. Le camarade Goussiev, notre assistant metteur en scène. Du vrai. Je dois rentrer, j'ai beaucoup de travail. Au bureau de distribution des vivres, on fit une découverte désagréable. Le directeur décida de faire appel à la brigade criminelle. Faites une enquête et, si nécessaire, perquisitionnez chez le citoyen Erlich. Mais je suis doué, je vous l'assure, je vous le prouverai. Camarade Kravtsov, je vous répète que je ne vous engagerai pas. Vous êtes incapable de faire ce travail. Il fallait aller chercher de l'encre de Chine chez Spiridonov. Thank you.
Vous êtes fatigué, camarade. Je vous plains de tout mon cœur. Je l'ai trouvé dans la poche de ton manteau. Tu mens sans arrêt. La nuit fut longue et triste après cette première dispute. Voulez-vous venir au bal pour rendre jaloux les camarades ? À l'ingénieur Loss, la direction du Volkovstroy vous remercie du travail accompli. Tu vas y aller? Kravtsov avait décidé d'élucider lui-même l'affaire de la disparition du sucre. Lieu de rencontre des hommes d'affaires. Tous les billets sont vendus, tu vas en gagner de l'argent. Tu parles d'un pigeon? De toute la semaine, il l'a acheté comme médaillon. Anta, Odélie, Uta. À l'évocation du mystérieux message, son imagination travaillait avec encore plus de zèle. Cela faisait plusieurs jours qu'Aelita n'avait pu voir la Terre. Thank you.
Aujourd'hui, il y a un conseil des aînés. Personne ne te verra si tu vas dans la tour. Comment osez-vous me cacher l'appareil fabriqué par Gore ? Tu règnes, mais c'est nous qui gouvernons. La tour restera fermée. Donc, par décision des aînés, un tiers des forces vives sera conservé dans des réfrigérateurs. Les ouvriers qui travaillaient pour les aînés ne quittaient jamais le sous-sol. Le premier tiers au réfrigérateur. Le premier tiers. Tu m'évites, Aelita. Tes pensées sont occupées par l'homme de la Terre ? Attends-moi ici, je te rejoindrai.
Même sur Mars, la jalousie existait. Tu aimes l'homme de la Terre, tu ne le reverras jamais. Je te laisserai les plans de mon vaisseau spatial. Conserve-les. Ce travail est la chose la plus importante de ma vie. Tu pars seul ? Et Natacha ? Natacha attendait son mari avec impatience. Venez donc au bal, la société y sera des plus choisies, votre mari n'y verra pas d'objection. Allons-y, tant pis pour lui, allons nous amuser. Le bal clandestin de la société choisie. Les organisateurs avaient persuadé Natacha de rester à dîner. Je vous croyais à la gare en train de dire au revoir à votre mari qui part en mission. Ma beauté, ma chère, restez donc encore une petite demi-heure, un petit quart d'heure.
Je dois partir ce soir. Je suis désolé de n'avoir pu te dire adieu. Je peux être retenu en mission longtemps. Ton Los. La seule joie de Los était de prendre conscience qu'il avait lui aussi pris part au grand travail d'édification de la nouvelle Russie. Lentement, mais irrésistiblement, la vie s'organisait. Il y avait de moins en moins de travail au centre d'évacuation. Permettez-moi d'accompagner cet idiot. Allez-y, je me débrouillerai seule. Moscou, le 3 mars 1922. Depuis ton départ, il y a 3 mois, tu n'as envoyé que 3 cartes postales. Si c'est la fin... Bureau de l'état civil. Après la fermeture du centre d'évacuation, Natacha fut nommée directrice d'un orphelinat. La mission de Los touchait à sa fin. La direction du Volkovstroï remercie l'ingénieur Los pour le travail qu'il a fourni durant 6 mois. Mon cher ami, cela fait 2 mois que j'ai quitté la Russie, pour toujours. J'ai honte de l'avouer, mais les habitudes du passé ont été les plus fortes. J'ai caché tes plans dans la cheminée de la chambre.
et de nouveau le rêve s'empare de lui. Dans son rêve, Los prend l'aspect de Spiridonov. C'est curieux. Voilà 2 mois que personne ne l'a vu et soudain, il nous tombe du ciel. Un nouveau crime avait donné à Kravtsov l'occasion d'un nouveau succès. Il est louche, ce type-là. Il faut savoir qui c'est. Dans un des faubourgs perdus de Moscou. Kravtsov au travail. Ne touchez à rien. Ce gant me mènera au criminel. Plus de front sur lequel lutter, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Cette oisiveté pesait à Goussiev. Je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai proclamé 4 républiques et ici, je moisis. Sur la piste toute chaude. Je vous arrête. Votre mandat.
Je viens pour le vol cosmique et c'est avec plaisir. Réfléchissez, il y a beaucoup de risques et peu d'avantages. Ça y est, j'ai osé. Je pars demain pour Mars. La veille du départ, les derniers ouvriers furent congédiés. Le lendemain matin, Moscou célébrait l'un des grands jours de la Révolution. Là où un bon détective ne peut pas passer en voiture, il passe à pied. Cinq minutes avant le départ. Ça y est, on vole. Spiridonov,
Je vous arrête pour entrer sans autorisation sur le territoire et pour le meurtre de la femme de l'ingénieur Loss. Drôle de détective qui n'a pas remarqué la fausse barbe et la perruque. Dans ce cas, ingénieur Loss, je vous arrête pour usurpation d'identité. Cet engin vient de la Terre. L'observatoire déterminera l'heure d'arrivée et le point de chute de l'engin. Les êtres venant de la Terre doivent être éliminés. Tu ne dois pas faire de mal aux terriens. Qu'on les élimine. Mars ne doit pas être contaminé par les révoltes terriennes. Je connais l'heure et le point de chute de l'engin. Les aînés restaient unis, attendant le rapport de l'observatoire. Dépêche-toi d'aller accueillir nos visiteurs de la Terre et de me les ramener. L'heure indiquée par l'astronome en chef approchait.
camarade, vous ne seriez pas de la milice, il faudrait arrêter un homme. Je me présente, commandant Goussiev de la cavalerie de Boudioni. Touskoub, un être venu de la Terre. Camarade Touskoubov, permettez-moi en vertu de mon mandat d'arrêter le criminel Los qui vient d'entrer sur votre territoire. Tes lèvres sur les miennes, comme vous le faites sur terre. Reconnais-tu ce collier, Touskoub? Tu peux bien m'aimer ou pas sans le sou et le soldat. Tu es à moi. Ensemble, nous régnerons ici sur tous.
Jamais, jamais je ne me pardonnerai d'avoir levé la main sur toi. Aelita, sur ordre des aînés, ce terrien doit être arrêté. La libre expression des hommes libres l'a emporté sur l'hypnose millénaire des aînés. Camarades, vous devez vous prendre en main. Chez nous aussi, c'était comme ça. Tout a commencé ainsi. Suivez notre exemple, camarades, et fondez la grande famille des travailleurs, l'Union des républiques socialistes soviétiques de Mars. Je suis avec vous. Je vous conduirai moi-même. Je n'ai pas confiance. Ce ne sont pas les maîtres qui doivent faire les révolutions. Vous avez pris le pouvoir, déposé les armes. Désormais, elles ne vous serviront plus jamais sur Mars. Victoire ! L'armée est avec nous. Feu sur les insurgés ! Renvoyez-les dans leur sous-sol. À présent, je serai seule à régner et à gouverner. N'achetez que des pneus de la marque Anta Odeli Uta. Anta Odeli Uta. Nous levons le voile sur ce message mystérieux. C'est la marque de nos pneus, compagnie industrielle du caoutchouc de New York. Nous partons pour le front d'Extrême-Orient. Le train part dans une heure. Voilà que j'ai encore rêvé
Et il y a une demi-heure, j'ai tué ma femme. Mais je ne vais pas m'enfuir, non, je vais retourner auprès d'elle. On ne peut pas le laisser comme ça. On pourrait peut-être lui venir en aide. J'ai tiré dans un moment de folie. Toute ma vie, je remercierai le sort de t'avoir raté. Tu as encore des doutes ? Non, je te fais confiance, pardonne-moi. Sur ordre du juge d'instruction, je vous arrête. Assez rêvé. Un autre travail nous attend tous, un grand et véritable travail.